Je vais parler de l'éthique dans le leadership. Ce thème est de prime abord abstrait et je ferai aussi l'effort de la gymnastique intellectuelle pour rendre cela digérable en ramenant le thème à nos réalités et à nos vécus quotidiens. En un mot, nous allons partager nos expériences. Et pour moi, c'est un exercice encore plus difficile parce que c'est une introspection de ma personne. Parler de l'éthique, c'est parfois souvent se référer à soi-même, c'est se mettre devant le miroir, se regarder et parler aux autres avec conviction. Et ce n'est pas un exercice assez aisé. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes déjà des leaders. Je l'ai dit dans la salle de discussion, vous êtes des leaders. Et vous avez été désignés par vos pays respectifs sur la base des compétences avérées et aussi dans vos qualités potentielles de devenir des leaders stratégiques. Alors, dans le proche avenir, bien sûr. Je ne reviendrai pas donc sur les définitions de base que vous connaissez tous. Et je pense que vous avez eu tout le loisir d'apprendre tout cela dans le cadre de vos formations, dans les écoles de formation. Et je voudrais donc que nous puissions revenir sur le leadership à notre niveau, au niveau donc haut. Comme l'a démontré hier le général Henri. Je vais aussi préciser avant de commencer que je suis passé par ce stage de Next Gen. J'étais assis là où vous êtes exactement en 2007 et après avoir fini mon école de guerre au Nigeria et mon master à l'université, j'étais là devant vous. Et cela donc, j'y suis rentré. Et j'ai eu donc la chance d'occuper des postes et je peux vous assurer que ce stage m'a été extrêmement bénéfique. Donc je vous invite en tout cas à le prendre au sérieux. Si vous retournez et vous avez la chance d'être promu ministre ou chef d'état-major de l'armée, chef d'état-major général, que vous puissiez mettre en application ce que vous avez appris ici. Je suis donc prêt à partager ma petite expérience avec humilité. Donc, dans le but de donner, de recevoir, parce que je sais que chacun de vous a une expérience atypique à partager. Et on l'a déjà vu dans les groupes de discussion, et les expériences sont assez enrichissantes. Alors, je ferai la présentation en 20 minutes, comme je l'ai dit, et je vais la structurer de cette manière. Dans un premier temps, je vais faire une clarification des concepts clés. Parce que quand on vous donne un travail, il faut comprendre d'abord de quoi il s'agit. Dans l'armée, on pose la question, quels sont les concepts clés ici? Je vais rapidement passer là-dessus pour qu'on puisse parler le même langage, pour qu'on ne puisse pas s'égarer dans les débats. Ensuite, je ramènerai la question de l'éthique dans le professionnalisme dans le contexte africain, dans le contexte spécifique africain, et peut-être faire une esquisse vers les valeurs essentielles qu'il nous faut en Afrique pour être un bon leader. Après, donc, avant de passer en revue les défis et les dilemmes, parce que nous avons des défis et des dilemmes dans l'exercice de nos responsabilités. Et ensemble, nous allons voir quelles sont les bonnes attitudes qu'il faut adopter quand nous sommes face à des défis et à des dilemmes. Je dirais donc que le leadership, il fera peine de revenir au terme anglais, on l'a défini hier, c'est un terme anglo-saxon. Il faut retenir seulement qu'un leader, c'est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Moi, je retiens ces trois mots, guider, influencer, inspirer. Partant de cette définition, donc, je dis donc que vous êtes des leaders. Vous êtes des leaders donc, à votre niveau de responsabilité. Donc vous exercez de ce fait donc, un leadership. Le leadership, pour moi, commence par les valeurs éthiques. Et c'est là donc l'essence de mon intervention aujourd'hui. Je me dis de parler des valeurs éthiques dans le leadership. C'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est une discipline pratique et normative qui se donne pour but de dire comment les êtres doivent se comporter. Il existe différentes formes d'éthique qui se distinguent par leur degré de généralité, par leur objet. Il peut s'agir de la bioéthique, l'éthique des affaires, l'éthique militaire, l'éthique de l'informatique, ou aussi par leur fondement qui peut être la religion, la tradition propre à un pays ou à un groupe social. Donc l'éthique, en général, établit les critères pour juger si une action est bonne ou mauvaise. Alors, ça peut aussi juger les motifs et les conséquences d'un acte. La finalité de l'éthique, pour moi, elle-même, fait donc d'elle une science pratique. Il s'agit de faire en sorte que les individus
puissent agir de manière responsable. Ce qui fait que l'éthique est considérée de nos jours comme la discipline au fondement de l'éthique appliquée, de l'éthique au niveau individuel, de l'éthique sociale, de l'éthique dans le travail social et des différentes formes d'éthique spécialisées qui se confrontent aux problèmes normatifs de leur domaine particulier. En définitive, je dirais donc que l'éthique, c'est un ensemble de règles de conduite qui pousse l'individu à agir dans le bon sens, selon les valeurs morales de la société et de sa profession. Dans cette présentation, dans l'intervention de ce soir, nous allons donc nous concentrer sur l'éthique dans le secteur de la sécurité. Nous n'allons pas parler de l'éthique politique, nous n'allons pas parler de l'éthique du médecin, nous allons parler de l'éthique dans le secteur de la sécurité. Après donc la division de l'éthique, c'est quoi les valeurs intrinsèques du bon leader? Cela a été cité hier. Un leader, c'est d'avoir des capacités intellectuelles. J'ai dit éthique. Et l'incompétence ne rime pas avec le leadership. Un leader ne peut pas être incompétent. La capacité physique, dans le domaine du secteur de la sécurité, comme vous le savez très bien, un bon capitaine ou un bon commandant, ou qui que ce soit, ne peut pas mener les hommes sur le terrain si lui-même il est handicapé physiquement. Alors, l'autorité, il faut le comprendre, c'est essentiel. C'est une des valeurs intrinsèques, mais il ne faut pas faire la confusion avec la dictature. Il faut pouvoir communiquer, ça a été déjà dit. Maintenant, je reviens à un lien entre le leadership, l'éthique et le professionnalisme. C'est extrêmement important, c'est un triptyque. Ce triptyque est indissociable. Quand on parle de l'éthique, donc dans le leadership, il y a trois mots. Le leadership, éthique et professionnalisme sont intimement liés. Et pour cela, pour imaginer cela, je vais citer le général Martin Dempsey, et qui, là, je vais le citer en anglais parce que simplement je ne vais pas trahir sa pensée, je laisserai donc le soin aux interprètes donc, de vous le dire. Il dit ceci: « The foundation and driving force of the profession of arms are its leaders. They inspire others to achieve what they thought was beyond reach. They uphold and enforce our ethical and moral standards regardless of the situation. They instill the ethos that we will never leave a fallen comrade nor betray the public trust. » Ça, c'est vraiment un résumé pour moi du professionnalisme qui a été dit dans cette citation du général Dempsey. Cela m'amène donc à parler du professionnalisme seulement à travers les principes clés que vous connaissez, surtout dans le secteur de la sécurité, c'est la neutralité. Si vous êtes au service de la nation, vous devez être neutre. Il faut s'interdire de faire de la politique. On ne peut pas battre la campagne et faire donc des campagnes politiques dans les casernes. Il faut être subordonné au gouvernement civil démocratiquement élu, cela a été dit et ce matin et aussi hier. Il faut avoir bien sûr une éthique professionnelle fondée sur des valeurs, donc et avoir une capacité opérationnelle. Cela m'amène au deuxième point qui est le contexte africain. Notre contexte, comment est-ce qu'il est caractérisé? Premièrement, nous sommes en train d'assister à l'enracinement de la démocratie qui se caractérise par des transitions démocratiques et l'alternance dans les différents pays. On a vu le printemps arabe, on a vu au sud du Sahara avec le Burkina Faso, comment est-ce que la tentative de la modification de la constitution a amené donc une révolte qui a mis donc le président dehors. L'Afrique est en pleine ébullition et à la recherche de sa voie. Nous assistons donc au tripatouillage des référendums, et contre les référendums et les tripatouillages constitutionnels, on assiste à des soulèvements populaires, et contre ces soulèvements populaires, on assiste à des coups d'État et des tentatives de coups d'État, et voilà donc une crise politique majeure et des violations massives des droits humains. C'est dans ce contexte donc de l'enracinement de la démocratie que vous, leaders, vous êtes en train d'évoluer et vous allez évoluer demain. L'affaiblissement des institutions de l'État. Voici un contexte particulier, quelqu'un l'a dit hier, même dans les groupes de discussion, nous avons besoin d'institutions fortes, mais aussi, comme l'a dit quelqu'un, nous avons besoin d'hommes forts pour assurer
la pérennité de ces institutions fortes. Ça, c'est un autre débat. Mais le contexte dans lequel nous sommes, nos institutions sont très fragilisées et très faibles. Nous avons des administrations publiques qui ne sont pas très performantes et qui, dans certains cas, sont en déliquescence. Nous avons aussi beaucoup de cas de salaires, dérisoires de salaires, qui ne sont pas assez suffisants pour pouvoir répondre à nos besoins. Voilà donc les institutions de l'État dans lesquelles vous évoluez en tant que leader. Le déclin du professionnalisme, là je l'ai dit, et à travers la publication que j'ai faite, les services de sécurité sont de plus en plus politisés. Ça, c'est l'ambiance dans laquelle vous vivez. Vous avez dit ça hier. Souvent ethnicisés et parfois non républicains. On a un indice de corruption très élevé dans le secteur de la sécurité. Et je donne souvent l'exemple, quand on prend l'indice de corruption, et c'est celle de sécurité qui vient en tête. Et la douane vient tout le temps en tête, et suivie la gendarmerie de la police. J'espère qu'il y a des douaniers ici. Ils pourront nous dire pourquoi est-ce qu'ils tiennent toujours la tête du classement. Mais bonne nouvelle, parce que hier j'ai vu le classement au Burkina. La douane était supplantée par les services des marchés publics. Donc, félicitations pour la douane. Ça avance, en tout cas, tout doucement. Et nous avons donc des services de sécurité qui ne sont pas assez performants. Et vous, leader, comment est-ce que vous allez affronter tous ces défis? Voici donc autant de problèmes. Beaucoup de violations des droits humains et un manque flagrant d'éthique professionnelle. Ça, je l'ai déjà conseillé dans la publication. Il y a les pesanteurs sociales et culturelles. Nous sommes dans une société africaine où la perception du leader vous amène à aller contre les règles élémentaires de la gouvernance. J'ai dit, on est en pleine perdition parfois et manque de repères de certaines valeurs morales. Avant, vous pouvez voler quelque chose, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les jeunes, on est pressé. Nous, on a fait 30 ans pour avoir peut-être une villa et une voiture, mais les jeunes, ils sortent aujourd'hui, en 5 ans, ils veulent avoir une voiture, ils veulent avoir une belle villa. Donc, on a pleine perdition de certaines valeurs et qu'il faut recadrer. Et c'est dans ce contexte-là, et c'est dans cet environnement que vous, leader, vous allez être confronté. Donc, je dirais donc que ce contexte qui est bien volatile et incertain, complexe et ambigu, nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'il vous faut en tant que leader. Quelles sont les valeurs essentielles? Elles ne sont pas exhaustives. Quelles sont les valeurs essentielles qu'il nous faut pour pouvoir affronter cela? Pour moi, le premier, c'est la loyauté et l'engagement. Dans le secteur de la sécurité, il faut respecter la Constitution. Quoi qu'on fasse, le respect de la Constitution est fondamental. Et là, on reviendra sur l'exemple du général Henri Odilo du Malawi, qui a été vraiment un exemple qu'il faut toujours citer. La prestation des serments, vous avez tous prêté serment de servir le peuple, de servir la Constitution. Il faut respecter cette prestation de serment. Et les gens ont l'impression que la prestation de serment, c'est uniquement un truc nouveau, alors que non. Je rappelle aux gens que depuis le XIIe siècle, dans l'Empire Mandingue, au Mali, les rois prêtaient serment à l'empereur Sundiata Keïta. Ils le faisaient déjà, avant même qu'on parle de prestation de serment ici en Europe, face avant l'élection de l'Europe. Et il le disait, il répète exactement la phrase qu'il disait à ce temps. Sundiata, fils de Sogolon, c'est de toi désormais que je tiendrai mon royaume, car je te reconnais comme mon souverain. Ma tribu et moi, nous nous remettons entre tes mains. Je te salue, chef suprême, je te salue, Fama de Faman, je te salue, Mansa. Ça, c'était répété par les rois dans l'Empire du Mali, donc depuis le XIIe siècle. Donc, ce n'est pas une invention des Blancs. Nous avons ça, il faut que nous respections nos prestations de serment. L'intégrité et l'honneur. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est des données que vous connaissez. Le sens du devoir et le service désintéressé. Alors, le leader de demain, ça doit être un travail infatigable, parce que le leadership ne rime pas avec la paresse intellectuelle et physique. Quand on est un leader, on doit être un travailleur infatigable. L'intérêt porté aux subordonnés, sans verser dans le populisme, un chef et un leader n'a pas été élu, non. Donc, vous ne cherchez pas des voix. Vous ne cherchez pas à être populaire. Vous devez faire ce qui est droit. Point. Qu'on vous aime ou pas, ça, ce n'est pas votre problème. Vous ne cherchez pas un mandat. Ça, c'est très important. Quand vous allez arriver en haut et vous voulez des voix, là, vous pouvez être populiste. Et un leader ne doit pas être populiste. Et il faut être accessible et disponible. Et là, je vais encore citer un brillant général américain, c'est Colin Powell,
qui disait ceci. Je le cite en anglais pour éviter de trahir sa pensée. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help them or concluded that you do not care. In either case, it's a failure of leadership. C'est très clair. Je crois qu'il n'y a pas de commentaire. Comprenez ce que ça veut dire. Il faut aussi, enfin, servir et non se servir. Les gens viennent à l'État pour se servir du gâteau et non donner la farine pour qu'on fasse le gâteau. Non. Il faut donner la farine pour qu'on fasse le gâteau avant de se servir. Mais les gens préfèrent se servir du gâteau et terminer le gâteau et ne pas penser au reste, à la génération qui vient. Et c'est ça aussi, ce caractère de prédateur que nous avons, qui fait que nous sommes encore en train de traîner beaucoup de lacunes. La force de caractère, vous avez besoin d'être persévérant parce que c'est difficile, nous avons beaucoup de défis. Vous devez résister aux tentations faciles parce qu'on est là avec beaucoup de dilemmes. Ça ne suit pas, le salaire ne suit pas, il faut grouiller pour acheter quelque chose. Mais il faut garder l'enthousiasme et l'optimisme. Et encore, le chef militaire, Colin Powell, dit encore que l'optimisme constant est multiplicateur de force. Quand vous êtes optimiste, vous avez encore la force. Voilà donc quelques caractères essentiels. Mais quels sont les défis et les dilemmes auxquels nous sommes confrontés? Nous avons deux grands dilemmes dans le leadership africain, que moi je connais, il y en a beaucoup, c'est exhaustif. C'est le dilemme entre l'intégrité et l'instinct de survie. Entre être intègre et survivre, ce n'est pas évident. Vous êtes là, et vous avez besoin de régler des problèmes, et en même temps, votre devoir donc, de chef d'être intègre vous appelle. La loyauté, vous êtes tout le temps entre le marteau et l'enclume. Parce que vous savez, on a des constitutions qui sont très souvent mises à rude épreuve, lors des crises. Des constitutions parfois mal rédigées, expressément à dessein, ou en tout cas, des constitutions dont l'interprétation amène toujours des confusions politiques. Le non-respect du serment par les dirigeants politiques. Parfois, on a des déphasages de point de vue avec les politiques. Donc tout ça, c'est des dilemmes auxquels vous êtes confrontés. Les attitudes, alors qu'on les intéresse supérieurs de la nation, vous êtes là. Tant que chef, vous voyez que ce n'est pas normal, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez faire. Et souvent, quand il y a un coup d'État, et très souvent, j'ai dit, le coup d'État, c'est les militaires qui le font, mais c'est les politiciens qui sont derrière, qui mettent toujours le feu et qui incitent les militaires à le faire. Et quand c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Voici des dilemmes. Et enfin, donc, les soulèvements populaires. Donc, cela m'amène à donner quelques bonnes attitudes pour moi, qui peut vous amener à éviter un certain nombre de problèmes. Moi, je me carcasse pas, je me tourne pas la tête. Devant une situation, la première des choses, je dis la loyauté envers le peuple et la Constitution. Ça, je peux le jurer. Et le reste, ça peut m'emporter, ce n'est pas un problème. Je mets ensuite l'intérêt supérieur de la nation au centre de mes préoccupations. Tant que l'acte que je pose défend les intérêts supérieurs de la nation, am I still? Ok. Donc là, il n'y a pas de souci. Et il faut renforcer quotidiennement les valeurs intrinsèques de compétences et les valeurs éthiques. Un leader, on n'est pas leader au début jusqu'à la fin. C'est un travail quotidien, c'est une quête quotidienne. Et chaque jour, vous vous levez, vous vous regardez devant le miroir. Est-ce que je suis à jour? Si vous êtes à jour, vous continuez. Si vous n'êtes pas à jour, il faut faire une introspection. Et c'est un travail difficile et continu. On croit souvent aussi d'avoir un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un donc qui sera là, qui peut vous aider, qui peut vous guider. Une boussole, en quelque sorte. Mais j'ai dit, une boussole vous guide. C'est vous qui devez être le maître de votre destin. Et j'aime ici citer Nelson Mandela qui dit que l'homme doit rester le capitaine de son âme, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Et là, parce qu'il a été en prison pendant 27 ans, qu'il doit changer de comportement ou d'attitude. Il faut éviter aussi d'avoir des mentors qui ne vont pas vous donner des bons conseils. Je donne mon exemple, quand j'ai été nommé ministre de la Sécurité, je suis allé en bon militaire voir mon chef hiérarchique pour présenter mes respects et écouter ses conseils. Et vous savez quel conseil il m'a donné? Alors, jeune, tu sais très bien, tu n'as que 2 ans comme ministre, il faut tout faire pour assurer tes arrières, parce que tu ne reviendras pas 2 fois. Il faut assurer tes arrières. Alors, je suis sorti de la porte et j'avoue que j'étais totalement déboussolé.
parce que je ne m'attendais pas à entendre des conseils de ce genre et d'un chef hiérarchique. Donc, moi, je crois qu'il nous faut arriver à un changement d'attitude. Il n'y a rien vraiment d'insurmontable. Il faut éviter les aveux d'impuissance. Dire que non, c'est la roue qu'il faut changer. Non, vous allez aussi arriver à la roue. Ok, il me reste 2 minutes, donc je vais aller très vite. Je vais citer encore quelqu'un, Edmond Burke, qui dit que la seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes bien. La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes bien. Donc quand vous êtes bien, faites le savoir et faites quelque chose. En plus donc de l'implication des lois en vigueur, mettez en place à votre niveau déjà des comités d'éthique et des mécanismes de lutte et contre la corruption. C'est simple. Et quand vous allez être leader à l'échelon national, vous pourrez donc dupliquer donc votre expérience. Et donc en conclusion, je dirais que il y a de bons exemples de leadership dans le continent. Je rends d'abord un vibrant hommage à des pays qui n'ont pas encore connu de coup d'État. Ils sont nombreux et je rends hommage au leadership de ces pays-là qui ont pu jusqu'à présent empêcher leur pays dans les coups d'État. Donc ils ont eu des leaderships militaires exemplaires et je crois qu'on doit les encourager pour qu'ils continuent dans ce sens. Et je rends encore hommage à Nelson Mandela qui, vous savez très bien, qui a un héritage. Il reste une seule recommandation, l'exercice du miroir et l'introspection. Vous levez le matin, vous regardez devant le miroir, est-ce que vous êtes à jour en tant que bon leader? Vous pouvez répondre, pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le continent africain a besoin de voir émerger une génération de jeunes leaders, conscients et engagés, capables d'impulser une dynamique nouvelle dans la gouvernance de nos États, afin de relever les défis de la démocratie, de la sécurité, du développement économique et social. C'est à ce prix que les Africains pourront sortir du fatalisme, prendre en main les leviers de leur propre destin et s'engager résolument sur les sillons du développement. Et je souhaite trois fois que vous soyez de ces leaders-là. Je vous remercie.